Madame Yaël Brand-Pivet ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Dans cet hémicycle, aujourd'hui, ouvrons ensemble un nouveau chapitre. Vous pourrez compter sur moi. Le temps presse, il nous oblige. Pour tous les Français, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs attentes et leurs besoins, agissons pour rendre plus beau ce bien immense que nous avons en commun, la République. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui assumer collectivement les responsabilités qui sont les nôtres et prendre acte de notre désaccord. Pour autant, je le redis, nos travaux ont eu lieu et ils ne sont pas négligeables. Toute la France se souviendra de l'Assemblée nationale comme d'un gigantesque bain de sang. Je ne pense en permanence qu'à une chose, venir te décapiter. Tu mérites que des rafales de balles à ton domicile. Sur tous les bancs, nous avons reçu ces menaces. Il n'est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre. Ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Rien ne vous permet de l'affirmer. Merci. Madame Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer.